Je suis cadreur depuis une vingtaine d'années. Ah, très bien. Et que de la vidéo ou d'autres formats? Que de la vidéo. Ah, d'accord. Merci. Bien, moi, je suis Brad, donc je suis un détective journaliste, un peu freelance, qui enquête justement sur des disparitions mystérieuses parce que c'est un fanatique de surnaturel, ce journaliste. Donc on imagine qu'il est un petit peu freelance, hors le journal, fait ses articles lui-même. Et voilà, c'est un type un petit peu la sorte d'Indiana Jones. Et tu fais quoi sur ce film? Je fais le son censé dire, c'est-à-dire que j'envoie via... La mandale, non, non, la mandale est trop basse, non, là-bas, celle de là-bas. Le son à la caméra. Alors c'est surtout éclairer déjà dans le premier temps un fond vert pour que... puisse faire une incruste, d'où la nécessité d'un portique, avec une lumière très diffuse sur le fond vert. Et ensuite, faire une lumière plateau, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une lumière réaliste par rapport au comédien dans la situation dans laquelle il se trouve. Elle est bien. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est un petit peu compliqué parce qu'on est dans un endroit assez restreint. Mais on n'a pas suffisamment de hauteur, donc évidemment les ombres créent des interférences qui ne sont pas toujours bonnes. Comment s'appelle ton personnage? Candice. Et donc, qui est Candice? Candice, c'est qui Candice? C'est une chercheuse en neurobiologie. Ouais, c'est bon, ouais. En fait, elle essaye de retrouver son père et son oncle, son grand-père aussi, qui ont disparu mystérieusement. Je m'occupe des conseils techniques sur le son. Oui. Et comme on a réglé le son d'une manière optimum, il n'y a plus de soucis sur le son. Pierre se débat avec la perche pour aller chercher son là où il pourrait être. C'est un film que j'aurais voulu tourner déjà il y a dans les années 80. Ah d'accord, donc tu es l'auteur. J'avais déjà commencé à écrire le scénario dans les années 80 de ce film-là pour le tourner en 16 mm. Mais comme j'ai quitté le club qui m'avait, avec qui je travaillais, il est resté en stand-by jusqu'à ce que je connaisse Hardy, puis voilà, on le lance. Mettez-vous en place, s'il vous plaît. Vous imaginez cet énorme écosystème qui vit sous l'eau? J'aime pas la mer. Il y a trop de poissons. J'aime bien, si tu veux, d'un point de vue effet spécial, j'aurais du mal si ton bras dépasse. Il faut que ton bras soit derrière, donc comme tu avais fait la dernière fois, t'es comme ça. Ça tourne. Ça tourne. Action. De l'eau à perte de vue. Vous imaginez cet énorme écosystème qui vit sous l'eau? J'aime pas la mer. Il y a trop de poissons. L'espèce est en train de naître sous l'eau. Ouais. Une espèce intelligente. Ça s'appelle les dauphins. Tu me plais bien, mais faut que tu le compenses avant qu'elle ait fait toi, pendant qu'elle est en train de parler. D'accord, ok. D'accord, ok. Ça dépend des réalisateurs. Avec Hardy, c'est pas la même chose qu'avec les autres. Ah d'accord. Ouais. Tourner sur des fonds verts, c'est une expérience assez intéressante.